Si Simone devient présidente de la République, là, c'est qu'elle va commencer sur eux pour terminer, commencer à tuer, là, c'est la Annie Tchelé, là, d'abord. Je vous dis parce que moi, je suis une femme de révélation. Je vous dis parce que vous, les personnes comme ça, les révolutions comme les Hitler, là, c'est des personnes quand ils prennent pouvoir, là, quand ils arrivent comme ça, là, ils commencent par ceux qui peuvent les emmerder. On ne veut pas qu'on regrette demain. Simone Lévesque Gbagbo est piquée, est piquée. Elle n'a pas le cœur d'une femme. Non, 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 elle n'a pas le cœur d'une femme tolérante. Non, 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 elle est très méchante. Et quand une femme est méchante, c'est pas dans un gouvernement qu'elle va pas être méchante. Non, 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 non. Vous avez compris? Et je vous ai dit ici que bon, je ne peux pas tout dire, mais Simone Lévy, même c'est très bien qu'elle ne peut pas recaler les choses à l'aise athée. Parce que si elle recale à l'aise athée, eh bien, nous allons affronter justice. Parce que moi, dans ma maladie, dans mon truc, machin, parce que j'étais une victime de guerre, je détiens beaucoup de choses. Vous avez compris? Notre frère du Nord, Fofana Youssouf, a pris des jeunes du Nord qu'ils avaient organisés, effectivement, pour que ces jeunes du Nord puissent éliminer les Burkinabés. Et c'était Simone qui était à la base, avec Blaise Goudé. Ça vous serait Blaise Goudé n'a qu'à dire à Simone de libérer Alain Zaté. Parce que si jamais elle ne libère pas, Blaise Goudé, il va retourner encore en prison là-bas avec Simone. Parce que moi, j'ai brandi les preuves. Vous savez que je ne suis pas en train de parler pour parler. Je vais brandir les preuves avec des cassettes où Blaise Goudé disait brillez les allumettes et payez les pétroles. Vous voyez tout ce que vous connaissez, les Aoussa, comme ils sont. Brûlez-les. Moi, j'ai la cassette. Voilà. Je vais aller montrer ça. Et puis, je vais poser plainte. Blaise Goudé va retourner en prison. Non, il a intérêt à dire à Simone Lévesque Gbagbo. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que Simone Lévesque Gbagbo, c'est une femme, vous la voyez comme ça, c'est une femme, oui. C'est une maman à nous tous. Mais Simone n'a pas un cœur d'une femme, d'une femme de Dieu. Vous voyez? Et quand les gens viennent, puis font des révélations, moi, je sais vous dire aujourd'hui qu'il y a une paix, faites-moi sur la tête de Simone Lévesque Gbagbo. Il ne faut pas qu'elle va provoquer la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu a une limite. Voilà, c'est ce que j'avais voulu dire. La colère de Dieu a une limite. Parce que Gbagbo ne lui a rien fait de mal. Gbagbo, c'est son mari, ils ont vécu ensemble. Et qu'elle a quitté d'autres personnes, elle est venue, ils ont vécu ensemble, tout autour. Ils ont resté ensemble. Gbagbo ne lui a jamais rien refusé. Sauf que c'est là qu'elle veut tuer Gbagbo, effectivement, pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, la façonnait, la grattait depuis longtemps. Depuis. Gbagbo, même, elle voulait même déjà être présidente avant Gbagbo, même. Donc, si elle veut l'être, elle n'a qu'à patienter. Voilà. Et puis, elle va l'être. Mais si elle veut faire du mal à Gbagbo pour pouvoir se sauver, elle ne pourra même pas arriver au bout. Et puis elle va rester négativement dans l'histoire. Voilà. Au lieu d'arrêter la petite fille à l'aéroport pour montrer que oui, elle est une femme de caractère, que vraiment c'est elle qui est là. Simone, c'est une belle femme. Elle peut toujours avoir comme elle en a toujours eu. Voilà, il y a les Djabi Kouet. Vous avez connu Djabi Kouet? Tapez sur Internet, vous allez voir Djabi Kouet. Djabi Kouet, c'était un imam. Simone était son amant. Et ce Djabi Kouet, là, on savait que c'était pas Djabi Kouet. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde, dans le Côte d'Ivoire qui n'a pas su que Djabi Kouet. Il était basé sur les sacrifices humains pour être riche. C'était le grand collaborateur de Simone Lévesque Gbagbo. Donc, Simone Lévesque Gbagbo qui dit qu'elle est une première dame et qu'elle aime les Ivoiriens parce qu'elle lutte pour la Côte d'Ivoire, elle veut venir être basée pour rehausser la Côte d'Ivoire. Déjà, elle fait enfermer des femmes. Elle fait enfermer des gens parce qu'on l'a simplement insulté. Vous avez vu? Donc, ça veut dire quoi? L'escadron de la mort qu'elle a créé hier, qui a tué plein de personnes, puis elle a joué à l'innocente, et puis elle est là comme ça, elle a fait comme ça. C'est elle qui était venue au palais, qui a dit, oh, honte, Obama, honte. Et puis, les gens devaient aider Gbagbo, puis n'ont plus aidé Gbagbo. Donc, quand elle a mis tout ça là, et puis elle a créé ce scandale-là, comme le Seigneur a dit que celui qui viendra créer ce scandale-là, et malheur pour lui. Là. Donc, elle s'en va tout droit dans sa force. Tout ce que vous voyez comme coup à justice et autres, on pense à Alassane Ouattara. Non, non, non. C'est elle qui est devant. C'est Simone Lévesque Gbagbo qui est devant, effectivement, toutes ces atrocités-là. C'est elle qui est devant parce qu'elle est une experte aux atrocités. Parce qu'elle a créé hier le scandale de la mort et elle sait comment l'escadron de la mort opérait. Son copain CKCK, son gars CKCK est en prison, il peut témoigner. Donc, quand c'est comme ça, là, hein, c'est une experte en torture. C'est une experte en mafia. Donc, elle, on lui a donné le rôle. Simone, elle est en train de former une rébellion. Ces gens-là qui sont en train de choses, de la nourrir, l'argent, la même argent, elle prend en train de former les choses. Junior Gbagbo qui est là-bas, de rebelles là-bas. Elle est en train de donner l'argent pour qu'il passe coup d'état. Mais ça ne va même pas réussir, ça ne va pas aller quelque part. On vous a dit que Simone n'a même vraiment, on n'a qu'à prier pour elle. Tu as compris? Donc, le problème aujourd'hui, là, c'est ça qui est là, mes chers amis. Comment toi, tu sors de la prison nette là, hein? Et puis ça ne tue pas net, et puis Abdourahmane Sangaré meurt, hein? Attendant de voir quelque chose, tout ce que vous avez fait dans le secret là, Dieu va vous faire dévoiler ça. Et puis un jour, vous allez avouer ça. Parce qu'on n'est pas méchant jusqu'à ce point. Les Ivoiriens vous ont aimé, les Ivoiriens ont prié pour qu'effectivement ce pays là, ça soit chaud. Non, il y a déjà des traites qui sont en train de faire des choses pour détruire les Ivoiriens. On ne va pas les laisser.
Que chacun prenne de son côté. On ne va pas les laisser, mes chers amis. On ne va pas les laisser. Je vous dis aujourd'hui. On ne va pas les laisser, je vous dis. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, tous ceux qui sont passés, ils aiment Simone. C'est-à-dire que vous voyez, non? Quand vous voyez bien, là, il y a une qui disait que les Akans, tous les Akans sont avec vous. Vous êtes avec Simone. Vous pensez que les Akans sont sauvages? Les Akans ne sont pas bêtes. Les Akans ne sont pas bêtes, hein? Il n'y a pas un peuple plus intelligent que les Akans. Parce qu'eux, ils ont basé effectivement sur des valeurs. Akan ne peut pas suivre Simone. Akan ne peut jamais suivre Simone. C'est quelques Akans corrompus à qui on donne à manger. Et puis bon, c'est très rare même d'abord. Mais ceux-là, ils sont avec elle parce que quand même, comment ils vont faire? Ils connaissent son cœur. C'est qu'elle elle a un cœur monstrueux. Donc si jamais, ils peuvent tuer. Au bas, ils avaient fait ce cadre de la mort là. Elle tue les gens. Moi, j'étais au palais de la culture, elle m'a envoyé les gens. Parce que, à cause des petites lettres que je l'ai écrites, Simone m'a gardé rancune jusqu'au jour. Vous vous rendez compte, une première dame, hein, première dame, ça dit que quelqu'un qui veut être président. Quelqu'un qui veut être président de la République, et puis qui est une femme. Déjà, on ne peut pas ouvrir la bouche, quelqu'un va être tue en même temps. Donc, vous voyez, elle envoie les gens pour me tuer. Voilà, John Taï Benson peut témoigner. S'il refuse, il met la cassette, des choses, la clé USB. Voilà. Mais ça, c'est au tribunal là-bas, je vais mettre quand je vais la convoquer. Mais ceux qui sont en train de dire, oui, on va vous enfermer. Simone a commencé à vous traquer là, ça va vous surprendre parce que moi, j'ai l'effacer sur la scène politique. Écrivez quelque part. Allez-y, dis à Simone Lévé Babo que Mme Kobri dit, elle va t'effacer sur la scène politique. Même le truc de divorce de Babo là, actuellement, je suis en train de faire une clé USB comme ça. Je suis en train de faire une clé USB et puis elle remet ça à Nati Bamba. Je ne la connais pas, mais elle fait tout possible pour toucher quelqu'un, va lui remettre ça. Le jour de leur audience, ils vont mettre la cassette là. Puis Simone Lévé Babo va voir. Elle sera suivie. Moi, je suis grave. Hein? Je suis très, très grave. Tu connais mon réseau? Oh. Il y a des gens même qui parlent. Vous ne les connaissez pas. Vous les appelez des robots. Mais ce sont mes réseaux. comment vous pouvez appeler les gens des robots? Et puis, ces personnes-là viennent et puis, ils font des concours. On dit, bon, mais il y a concours. On vous donne 50 000. Faites concours. Et puis, vous faites concours. Et puis, on vous donne 50 000 et puis vous partez, on met chèque au portable, vous partez pour vous donner. Pourtant, vous dites que ce n'est pas des hommes, mais c'est des robots. Non, ça veut dire que dites qu'il y a des gens derrière. Voilà, je vais montrer les preuves de Simone Yves Babo. Avec les Atebi Williams, avec les CKCK et autres. Là, il n'a qu'à faire rire. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Maintenant, ceux qui auront les yeux pour pleurer, là, ce sont ces partisans qui n'ont rien compris. Et puis, vous savez aussi, comprenez aussi que l'Ivoirien aussi, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi, ils mettent les gens dans le problème puis te laissent. C'est ce qu'ils veulent faire à Simone. Ceux qui nous insultent aujourd'hui pour dire que Simone va enfermer à l'aide. Oui, elle peut enfermer à l'aide. Elle peut même la déférer parce qu'elle a envie de faire. Mais moi, je dis, il a posé plainte à Simone. Et c'est quand il a posé plainte à Simone, le monde entier va regarder les cassettes là qui vont venir. Vous allez voir. Aucune femme demande de UGVS ne veut sentir Simone Yves Babo aujourd'hui. La seule personne qui, effectivement, qui peut parler de Simone Yves Babo aujourd'hui, c'est moi. Comment une femme de mon association assise devant moi, puis elle parle de Simone Yves Babo, elle s'élève. Que ce soit les femmes de Benoît. Il y a des femmes de Benoît même, effectivement, qui ne peuvent pas entendre parler de Simone Yves Babo. Parce qu'elle nous a fait du mal. Et simplement, les gens ont à parler mal de Simone Yves Babo. Simone Yves Babo est partie l'arrêter à l'aéroport. C'est pour vous dire quoi? Que Simone Yves Babo ne pouvait pas être capable de poursuivre une personne pour l'aider. Elle, tout ce qu'elle a, ce sont les petits jeunes. Là. Voilà. Les femmes là. Les femmes de choses là. Là-bas là, ils étaient très, 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 très sensibles à ces petits jeunes là qui venaient effectivement les côtoyer là. Parce que des jeunes viennent, ben, ils sont dans des quatre, ils vont avoir quatre maîtres, des ministres, des femmes ministres, des femmes, comment elles appellent là-même, les gnagnis, appellent pour dire, ah, vraiment, c'est lui à force de soi. Puis ils viennent dire que moi, c'est ma copine, qui est tel, moi, ils ne vont pas vous recevoir. On dit, ah, ce petit, il soit telle femme, là, ce petit, il soit telle ministre, ah, c'est son copain. Et puis, nous, on est allé là, on ne nous a pas reçus.